Bonjour à tous et à tous, Musical de Toulon, j'espère que vous êtes en super forme pour ça, super. Les copains, petite vidéo du mercredi, même pas petite vidéo, grosse vidéo. On part pour quelque chose qui m'a été beaucoup demandé, c'est un rush de 1 heure, les gars, sur Edgar. Ça va être long et ça risque d'être plutôt prolifique en trophées, les gars. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais en tout cas, ça risque d'envoyer du lourd. Je vais essayer de vous diffuser la vidéo en avant-première. Donc on pourra débattre ensemble dans le chat sur YouTube normalement. Et si tout se passe bien, les copains, je vais essayer de vous faire gagner un skin dans les commentaires. Voilà, donc régalez-vous. Et nous, du coup, on prend le brawler pour l'instant qui a 0 trophée. On va bien évidemment aller le monter, hein, les gars. Faites-moi penser aussi à aller. On va lui acheter un skin, les frérots. On a un gros programme. On a un programme sympa. Attends, on va le mettre P9, comme ça je lui achète le Star Power, et comme ça on en fait un peu une machine, histoire de pas partir à la guerre pour rien, au moins comme ça, l'heure, il faut qu'on fasse au moins 400 trophées les gars, hein. Je vais pas vous mentir que il faut qu'on envoie du lourd, pour ce qui est, je pense que vraiment, 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 ce qui va être intéressant, c'est de lui acheter un bouclier en plus, à mon avis c'est vraiment stylé, et le super Edgar inflige, ouais, est-ce que je me soigne? Je pense que c'est bien ça. Je pense que c'est bien de se soigner, les gars. Donc, on va essayer de partir sur ça. Là, on va lui acheter le skin, du coup, qui est le moins cher. C'est celui-là, les copains. 1000 blings, on prend. Comme ça, on n'a pas d'excuses, les gars. Là, clairement, quand on va partir en session, on va se mettre un petit play again, voire un très gros play again des familles. Sachant que là, je suis assez excité de vous faire cette vidéo. Pourquoi? Parce que depuis les derniers épisodes, on a fait des rushs d'1 heure. Hein, c'est pas la première fois qu'on en fait sur la chaîne. Il y a l'apparition, bien évidemment, vous l'avez suivi, des séries de victoires, des win streaks. Et du coup, je pense vraiment qu'on peut faire le 0 à 500 en 1 heure. Je suis comme un dingue. On a du coup. Le cadeau des fêtes Brawl, est-ce que c'est pas un truc sympa aujourd'hui? Je sais plus ce que c'est, les gars. On a vu. Ok. Bon, il y aura 3 prix stars à la fin de la session, vu qu'à 8 victoires, on a 3 prix stars, les gars, vous êtes au courant. Dans le shop, je me pose la question, je pense qu'on va acheter le H, les gars. Je crois que le choix est quasiment fait. Pour le reste, c'est que des skins, donc on s'en fout. N'hésitez vraiment pas à m'exploser les pouces bleus. C'est le grand jour du tirage au sort de Stu, les gars, je vous dis ça tous les jours, mais c'est vrai que c'est le 20 décembre que ça. Que je vais les recevoir, je les ai pas encore reçus pour l'instant, donc dès que j'ai tout ça, je vous les fais gagner la famille des skins de Stu Père Noël dans la journée, et le code gagne dans la boutique, vous êtes les boss, n'oubliez pas le petit pouce bleu et l'abonnement à la chaîne les gars, c'est vraiment important, et on peut tout simplement lancer le chrono, les copains, est-ce que vous êtes prêts? Ok, donc là on est en play again, hein. Les gars, je vous le dis, on part en play again, faut, attends, je regarde juste, ça fait 2 minutes que je vous raconte ma vie, ok. Concentration maximum les gars. Alors si on peut au passage exploser le record de win streak, je pense que ça va être compliqué les gars parce que j'ai fait 65 et je pense que ça va quand même être dur de le battre mais tranquille les gars, tranquillou. Attends, faut quand même faire attention, j'ai quand même je suis quand même à la base normalement censé attendre un petit peu de façon calme au début pour charger un ulti et c'est à la suite. Dès que j'ai cet ulti, que là, je peux faire le héros. Mais avant, je vous conseille franchement pas de faire les fous avec un Edgar, parce que c'est clairement pas le... C'est un brawler très fort, attention, hein, mais c'est peut-être pas le... Le moment, attendez plutôt d'avoir un ulti, les gars, et là, vous ferez les fous, là. Bon, là, ça va être simple au début. Le but, ça va être bien sûr de pas essayer de foirer la win streak, les gars. Si on veut optimiser les trophées, clairement, il faut vraiment essayer de rester le plus souvent dans la win streak positive, c'est-à-dire avec au moins... 5 victoires d'affilée, 2 chargées, tac. Bon, la première victoire, ça fait pas vraiment de... Il n'y a pas vraiment de difficulté. En fait, les gars, faut vraiment que je me canalise. Je sais que j'ai envie de faire le beau jeu et tout, mais il faut vraiment que j'essaie de jouer posé. En vrai de vrai, les games qui peuvent paraître éclatés au début, peut-être accepter de rester dans les buissons. Même si j'ai envie de les plier rapido, les games, faut peut-être que j'accepte voilà, de temporiser un petit peu. Je vous dis ça parce qu'il faut que je me fasse violence, en fait. J'ai tellement envie de sauter sur tout le monde que c'est tellement pas la strat à adopter quand tu veux faire une série... de trophées et en même temps une série de win streak que je me déteste d'avance les gars, je m'excuse d'avoir fini la vidéo d'hier les frères, bah, pareil nous hein, malheureusement, vous avez été nombreux à bien kiffer la vidéo d'ailleurs les gars, j'ai eu des super retours, ça fait plaisir, c'est vrai qu'on tente de battre des records à chaque fois, ça marche quand même plutôt bien sur la chaîne et ça c'est grave cool. Tac, lui on va le dépop également, tac, on va basculer à 10 caisses, bon là tu sais que il peut plus rien t'arriver, hein. Quand t'as 10 caisses sur Edgar qui te reste des gadgets, clairement, c'est vraiment un jeu d'enfant, ok.
Et il met même pas sans super, ok, c'est trop bien. Alors là, vous vous dites, tonton gueule, ouais, t'enflamme pas, tu frappes jamais de 0 à 500 en une heure. Les gars, on a pris 30 trophées en deux games. Quand je vous dis que c'est vraiment cheaté les win streaks, je rigole pas. Alors je sais pas du tout, j'ai un frérot qui m'a dit, tu peux pas faire plus de 360. J'ai testé hier, et même en faisant play again pendant une heure, 360, c'est le record. Il y a un frérot du clan qui a pas un mauvais niveau, donc je le crois pas du tout. Mais bon, on prend son info quand même en considération. Je pense vraiment qu'il y a moyen de faire mieux, les gars. Le 500, je m'enflamme un peu, mais je pense que le 420, 450, je pense qu'il y a moyen de le taquiner. Et même si j'ai jamais le pire truc qui puisse nous arriver, c'est quoi? C'est de faire une défaite. Mais de toute façon, en 5 games, on va remonter la win streak au max. Et du coup, en vrai de vrai, il n'y a pas non plus mort d'homme. Ça se rattrapera. Je pense pas qu'il puisse nous arriver grand chose dans cette vidéo. Qui puisse porter préjudice au record qu'on compte faire, les gars, je vous le dis. Alors attention quand même, qu'on perde pas de temps, tac, lui, il va tomber, du coup, on bascule. En fait, faut vraiment que j'assure, les gars, les top 4 à chaque fois. Top 4, c'est vraiment le truc que je veux faire. Là, lui, clairement, il va me défoncer. On va auto-aim, mais vous allez voir qu'on va le dépop. Ne vous inquiétez pas pour ça, Franck ne peut absolument rien faire contre un Edgar, ok. Donc là, pour l'instant, le start est vraiment OP. En même temps, au début, c'est des bots, donc c'est vraiment facile. Là, pour l'instant, pour vous donner un motif de comparaison, on a moins de 4 minutes de gameplay. Et je crois qu'on a déjà 45 trophées, les gars. Donc à tout moment, on monte à 600. Je sais pas, les gars. Mais à tout moment, c'est vraiment... Ce qui est sûr, c'est qu'on va battre le record en une heure. C'est obligé, parce que pour l'instant, personne n'a rush de brawler en une heure comme ça, en play again. Donc ça, on va le battre pour l'instant, même si bien évidemment qu'il sera battu prochainement, les gars. Ne voilà, faut pas s'enflammer sur Brawl Stars, les records sont faits pour être battus. Je m'attribue pas un mérite qui ne sera bientôt plus à moi, parce que malheureusement, voilà, sur Brawl Stars, tu n'es que de passage. Il y a toujours plus fort, il y a toujours un brawler qui est plus méta, etc., etc. Alors là, on met un gadget pour pas grand-chose, mais au moins comme ça. On plie un kill supplémentaire. Un petit Sam qui meurt, on a 8 caisses, il y a un Gale apparemment qui a tiré sur le mid, là on va essayer de se récupérer tout ça, tranquille, tac 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 tac, et du coup le petit griffounet, il va y passer, bon c'est vraiment, là c'est vraiment carnage, les gars c'est vraiment, est-ce qu'Edgar c'est pas le brawler le plus fort? On est déjà à 60 trophées, est-ce que c'est pas le plus fort les gars, sincèrement, en survivant comme ça là, style à moins de 500, est-ce que c'est pas le plus facile à jouer, parce qu'il peut vraiment se prêter à tous les styles de gameplay, hein, tu vois, offensif, défensif, parce que derrière, tu peux t'esquiver de situations délicates en campant, tu peux camper à un endroit et sauter par-dessus un mur et du coup te casser de la situation, je trouve vraiment que c'est un brawler qui offre beaucoup de possibilités et j'aime beaucoup ça. Donc les copains, vous me direz tout ça en commentaire, et en tout cas, normalement, je vais essayer, comme je vous l'ai dit, on pourra dialoguer ensemble pendant la vidéo, la famille, ça fera comme un petit live, et ça régale. Ça régale, faut que je fasse des lives, les gars, je suis en train de tout reparamétrer, ça fait je sais pas combien d'années que j'ai pas live, mais c'est vrai que ça m'est tellement demandé que je vais essayer de vous faire ça. Là, on est quoi? On est 6. Alors, je crois que j'ai fait tous les kills depuis le début, les gars. Je suis pas sûr, je suis pas sûr. Je tiens pas bien la comptabilité, mais je pense qu'on est... Qu'est-ce qu'il fait, lui? Qu'est-ce qu'il fait, ce frérot-là? Alors, c'est juste parce que j'ai envie de faire tous les kills, hein, que je lui cours après. Parce que sinon, clairement, les gars, on checkera vite fait. Ah non, mais du coup, j'ai pas pu faire tous les kills, vu qu'il y a un Grom qui a tué un boule. Dommage, 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 dommage. Le Grom, il s'arrête plus. Il s'arrête plus de faire carnage. Qu'est-ce qui reste? Là, il y a une tourelle de Pam, et du coup... Du coup, voilà, tranquille, tranquille. C'est vrai que j'aime beaucoup le fait de, quand même, de tirer, de recharger, les gars, quand t'as... C'est vrai que le Star Power qu'on a pris, il est plutôt pas mal, les gars. Il est plutôt pas mal, parce que du coup, ça donne quand même une possibilité supplémentaire de faire des gros carnages. Ok, là, c'est plus des bots, tu le vois directement. Ils ont tous les... Enfin, il y en a beaucoup, les Brawl Pass et tout. Donc là, faut commencer à faire un petit peu plus attention, qu'on se fasse pas karma d'entrée. Alors, bien évidemment que si lui, il veut corps à corps, il peut pas me battre, hein. C'est impossible. Il y a pas un brawler qui bat... Enfin, corps à corps, si t'as du boule d'Achely, mais on va dire qu'un Sam, on craint absolument rien. Pour l'instant, on est sur un perfect, les gars, qui est grave, grave rentable. Hein, je vous dis, là, on est vraiment sur les bases du record. J'ai envie de dire des records du monde, mais bon, voilà, on s'est compris. Du record de France, au moins, de sûr. En une heure, je parle. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Là, il y a quoi? Il y a un petit Doug par là. Est-ce que lui, on le soulève pas, le frérot? Si, si, si. Les gars, alors je pense que ça peut commencer, là. Alors bien évidemment, si j'ai un truc qui me casse le délire, c'est bien l'apparition de Miko, les gars, Miko, forcément, ça casse le délire, pourquoi? Parce que bah, ça va tout simplement me poser problème, ça va me poser problème parce que bah, ça va être, les games vont être plus longues, je pense,
Parce que le brawler, c'est quand même le roi de l'esquive. Et du coup, c'est un peu embêtant, ça. C'est vrai que j'aurais préféré choper, faire cette vidéo-là avant qu'elle arrive de Miko. Le problème, c'est qu'avant qu'elle arrive de Miko, il n'y avait pas les séries de victoire et tout. Donc, bon, la période parfaite n'existe pas. Mais en tout cas, vous voyez un peu ce que je veux dire. Quand on va tomber avec 4-5 Miko, forcément, les gars, les mecs vont se cacher à gauche, à droite. Je vais pas pouvoir leur courir après de la meilleure des façons. En tout cas, on a déjà 90 trophées en l'espace de 8 minutes. On est vraiment, vraiment en train de tout exploser. Ok, il y a 3 mecs qui ont des titres de joueurs. Alors là, ça, je vais commencer, les gars, petit à petit. Je vais commencer à juste me calmer un peu, là. J'ai fait un peu le héros au début. Juste accepter peut-être que je puisse pas fight tout le monde. Je vous dis, je vais essayer de le faire, hein. J'ai pas dit que j'allais y arriver, mais je vais essayer de temporiser un petit peu les frères, comme ça, au moins, on évite de gâcher la fameuse win streak dont je vous parle tous les jours depuis quelques temps. Lui, s'il croit qu'on va pas lui piquer les caisses, frérot, non mais tes caisses, c'est les miennes, je te le dis direct, mon copain. T'es content, t'es pas content, c'est pareil, frérot, c'est le jeu, c'est comme ça. En tout cas, lui, il veut jouer, on va jouer, y'a pas de souci. Alors tu vois, par exemple, le Miko, je peux pas forcément lui sauter dessus parce qu'il peut m'esquiver facilement, tu vois. Si j'active un gadget et que je décide de lui sauter dessus, c'est un peu dommage. Lui, il n'y a pas besoin de mettre de gadget parce que de toute façon, bah même la Ambre, elle peut absolument rien faire contre moi, si ce n'est m'empoisonner. Elle me met des dégâts, hein, pour le coup, c'est grave OP. Mais ça suffira pas à me tuer. Le H, il veut me ramasser. Il veut me ramasser. Tu sais quoi, on va le fight en priorité. Tu veux me ramasser, mon frérot? Tu veux me ramasser, mon petit? Alors, il y a aussi un monde où on prenait le gadget qui charge l'ulti plus vite, mais je pense vraiment que c'est vraiment celui-là le plus OP, les gars. C'est vraiment celui-là le plus fort, le bouclier, parce que quand on va monter en trophée, ça va quand même donner une possibilité de faire le beau jeu. Et tu vois, c'est ça que je te disais, c'est que là, le Miko, il est à deux doigts de sauter par-dessus le mur, auquel cas on aurait dû le courir après, etc. En tout cas, pour l'instant, série de victoires, on est à 19 win streak, on est à 105 trophées, c'est un gros, gros carnage, je vous l'avais annoncé, les gars. Je ne vous décevrai pas dans la vidéo, n'hésitez vraiment pas à me bombarder le pouce bleu, les gars, ça prend 2 secondes. Le petit pouce bleu sous la vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en. Et j'essaierai de vous faire gagner un skin de Stu. C'est vrai que je voulais faire le tirage au sort il y a 2 jours et malheureusement j'ai pas pu, les gars. Donc on se fait ça très rapidement. La Janet, elle tombe. Et en plus, c'est vrai que le skin de Stu, il est particulièrement stylé, hein, les gars. C'est vrai que là, ça donne envie de jouer le Stu. La seule mauvaise nouvelle sur ce brawler, sur ce compte-là, c'est que je l'ai mis 800, pouvoir 5, je crois. Non, 7, pouvoir 7. Et du coup, bah, enfin, c'est vrai que je vais quand même avoir du mal à le monter beaucoup plus haut. Alors là, il y a des Miko de partout. Là, je temporise un petit peu, les frères. Il y a un Spike par là. Je pense que lui, on peut le soulever. Il doit plus avoir de coups. Ok, GG. On est 6, top 6. Je temporise un petit peu, les gars. On va essayer de se viser le top 4 vraiment en priorité. Je me répète, mais ça va être ça toute la vidéo, les gars. Alors là, je pense que c'est vraiment un très bon fight de prendre la Charlie parce qu'elle a 7 caisses. Dès que j'ai un saut, on va aller la fight en priorité parce que là, pour le coup, elle va me filer 3 caisses. Et ça, c'est grave rentable. Ok. J'ai fait un petit peu le fou, là. On aurait pu faire un top 5 pour pas grand-chose. Mais au moins, en tapant l'élément le plus fort de la game, je pense qu'on est pas mal. Alors, tu vois, la Miko, 7 caisses, les gars, il me one-shot. Hein. Je vous le dis, les gars. Il me one-shot. Le problème, c'est que, du coup, il m'esquive le frérot. Purée, c'est ça qui rend fou. C'est ça qui va me rendre fou. C'est que le brawler, il a absolument tout pour me counter. Purée, pourquoi je lance cette session à ce moment-là, les gars? Pourquoi? Alors là, j'ai plus de gadget. Il y a quand même un monde où le mec peut me mettre super cher. Ouais, tu vois, je vais jamais pouvoir le péter, en fait. Oh, je l'ai eu. Alors, les 2 petites secondes où il met son super comme ça, c'est vraiment le moment où il faut essayer de le ramasser. Mais ça va pas être évident, on va perdre du temps avec ça. C'est la déception du jour, les gars. En tout cas, 120 trophées en 11 minutes. On est en train d'exploser le record. Le frérot dans le clan qui m'a dit, c'est 360 max en 1 heure. À toi, frérot, on va te faire un article. Faut juste que je retrouve le pseudo. Faut que je lise le chat du clan, les gars. Ah, je vais l'afficher avec gentillesse, bien évidemment. Mais je vais rigoler avec lui, parce que quand même, l'info a pas l'air 100% fiable. Hein. Tac. On va essayer de se prendre beaucoup de caisses. Vous avez vu quand même que ce qui m'a sauvé un petit peu sur le fight avec le Miko, c'est quand même qu'on était solide. On avait beaucoup d'énergie. Tu vois, là, on a déjà 5 caisses. On est vraiment pas mal. Il y a un H qu'on peut ramasser. Il y a une Bonnie à gauche. On est top 7, il y a l'air d'avoir un tout petit peu de moins de Miko, les gars, c'est pas fait pour me déplaire. Ok, lui on va essayer de le ramasser, ça fait une caisse en plus, on prend toujours, on a 6. Là, Bonnie à gauche, tu crois qu'elle voulait me sauter dessus, franchement? Je me suis demandé pendant un moment, là. Je me suis demandé pendant un moment, on va temporiser. Ouais, tant que j'ai pas l'ulti, je suis tellement inutile, les gars, c'est ouf. Le problème, pareil, hein, Bonnie, là, je vais lui sauter dessus, elle va mettre son ulti, hein. Je vais jamais pouvoir la finir, on va tenter quand même, mais à mon avis, si ça joue un minimum bien, je pense pas qu'on puisse l'attraper.
Ok, on est en top 4, c'est ce qu'on voulait, nickel. Alors, attention, 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 attention. Et tu vois le truc, j'ai gaspillé un gadget pour rien. Super bien joué de la part du... Alors, est-ce que c'est pas la première game qu'on va... où on va pas top 1, les frères? Est-ce que c'est pas la première game qu'on va fail? Je sais pas. Je sais pas trop. Je sais pas trop, les gars. Non, ça va, on la ramasse. Mais quand même, celle-là était un peu moins... On dominait un peu moins, quand même. On va pas se mentir. C'était un peu moins flagrant. En tout cas, on a 21 séries de victoires. C'est cool. Pour l'instant, ça se passe comme prévu. Et même quand on va fail, les gars... quand on va fail le top 1, parce que bien évidemment, il est hors de question de fail le top 4... Ouais, tu vois, là, t'as 5 micros, là, ça, c'est des games qui vont commencer à sentir pas bon. Ah oui, je voulais vous dire, je sais même pas si je vous l'ai dit, les gars, parce que c'est vrai qu'on part pour une vidéo longue et j'ai tellement de trucs à vous raconter. Mais, autre chose que je voulais vous dire, c'était que quand on va arriver vers les 350-400 trophées, il y a largement moins de micros, et ça, c'est grave cool, parce que du coup, ça va nous permettre de plier les games un peu plus vite, je pense. Alors, attention, là, on a 0 caisse, ça pourrait ressembler à une game piège, là. Toi, t'as 0 énergie, Oula, 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 il y a des énergies de partout, là, les gars, autant les ramasse. Là, tu t'assures quasiment, peut-être pas le top 1, mais pas loin. Quand tu récupères 5 énergies au mid, là, comme ça, je peux t'assurer que le Mortis, déjà, je pense pas qu'il va venir rejouer avec moi. Il a joué au début, oula, là. Attends, ça se ramasse. Ok. On va régène, on va... Tranquille. Alors, par contre, personne se tue, si, ça y est. Il y a un petit Léon qui fait le beau jeu, ok, ok. On a une 10e caisse par là. Là, les gars, si jamais je perds avec 10 caisses... Je fais pas top 1, je vous autorise à me critiquer. Il y a un Léon ulti, de toute façon j'ai qu'à appuyer sur le gadget et on est carrément pas mal. Alors le problème de ça c'est que voilà, comme je vous disais, là il y a un Léon à droite qu'on peut aller fight, mais du coup tu vois tous les petits micos, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec les petits micos quoi? Ok, sans le ramasse, ok. Alors attends, quand même, il m'a mis à 3000 PV les gars. Il m'a mis à 3000 PV, donc on va temporiser. Les petits micos, ils sont où? Ils sont où, nos copains? Alors, ils sont tous ensemble, là? Ils ont fait une équipe, là? Alors, je vais essayer de sauter sur un ou pas? Est-ce que vous voulez que j'essaie de sauter? Eh ouais, tu vois, c'est absolument ingérable, ce brawler. Non, mais je suis pas ton copain, mon frérot. Je suis pas ton copain du tout. Ne commence pas à tourner, là. Ok, on continue comme ça pour l'instant, on est à quoi? On est à 10 top 1 d'affilée, on a la win strike de 22. Elle est de qualité les gars, elle est de qualité. J'espère vraiment que le rec va pas bug, j'espère que vous vous régalez sur cette vidéo, je me donne du mal, oui et non. Sachez qu'on a pris 2050 ou 2100 trophées depuis hier. J'ai fait une grosse session hier soir, franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, je me donne vraiment du mal, mais c'est un kiff. Hein. Ne croyez pas que je me force, parce que c'est pas du tout le cas. J'avais annoncé 30 000 trophées... sur le mois de décembre, c'était le but, et au final, bah, c'est minimum 35 000 que je vais vous faire, les gars, je vous le dis. Ceux qui croyaient pas en moi, qui m'ont dit 30 000 en un mois, c'est impossible, les frères, vous me connaissez pas. Hein. Vous me connaissez pas, et vous connaissez pas non plus les frérots du clan, parce qu'il y a un Dark qui est déjà à 27, je crois, à la fin. Bon, après, c'est un fou furieux, le frérot. On a un Morgan qui est pas loin derrière. On a vraiment une équipe, là, à chaque fois qu'on fait des défis de fou furieux... Ok, on se ramasse un petit kill, on a 3 caisses. Ouh là 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 là, les gars, attention, on est top 7 là. On est top 7, et tant que j'ai pas l'ulti, vous voyez bien que je suis une grosse victime, parce que là... Il y a un truc à ramasse là. Et ouais, forcément lui, putain c'est mal joué. Le Miko, faut le respecter le Miko. Attends, là, Ambre, faut vraiment que je focus la Ambre les gars. C'est vraiment l'adversaire idéal pour moi. Dès que j'ai un saut, elle y passe. Le problème, c'est quoi? C'est que j'ai peur que ça mette un petit peu de temps. Eh ouais. J'ai peur que ça mette un petit peu de temps à charger, les gars. On va tempo par là. Tant pis, on perd du temps, les gars. On va perdre 30 secondes, mais si on peut faire le top 1 sur celle-là, on prend avec plaisir. Alors, j'ai encore un gadget. Autant l'utiliser pour la hampe, vous croyez, les gars? Il y a un Pearl qui peut être fort aussi. Putain, la hampe, elle a beaucoup de caisses, hein. La Ambre, elle a beaucoup de caisses. Ce qui me fait peur, c'est quoi? C'est qu'elle va, elle va brûler le mec, là, comme ça. Et ça, si t'es dedans, les gars... Alors, elle a très mal joué, mais ça, c'est très, très fort. Ça, c'est très, très fort. Elle a un peu bug. Ok, on la ramasse. Ok, donc là, on est bien. On a 6.
Tranquille, tranquille, tranquille. Ok, pour l'instant, 11e top en affilée, les gars. Je suis trop content de vous montrer cette session en live, parce que je vous la montre, les gars, et celle-là, elle est cadeau, celle-là. Celle-là, pour l'instant, il n'y a pas d'accro. On verra combien de temps on va tenir, les gars. Je sais que ceux qui voient le truc en live, là, ils se disent, putain, mais tonton, ne perds pas, s'il te plaît. S'il te plaît, fais-nous un 0 à 500 sans perdre, ce serait exceptionnel. J'essaye vraiment de me donner à fond, là. Je tourne la vidéo, les gars, il est 9h30, hein. Je vous la fais super tôt pour la publier à... Voilà, c'est publié à 12h15, mais... Je me donne entre guillemets du mal, j'essaie de faire vraiment pour le mieux, mais je sais très bien qu'après, des fois, le problème, c'est que quand j'enchaîne les games, après, j'ai un excès de confiance et je commence à faire n'importe quoi. Style-là, j'ai envie d'aller au mid, mais tu vois, aller au mid en début de game comme ça, quand t'as un start à 2, c'est pas incroyable. La ambre, si je pouvais la ramasse, oh, ça, c'est gentil, ça. Ça, c'est vraiment le top quand t'as des... Alors, il m'a piqué une caisse, lui, par contre. Ouais, tu vois, il m'a mis tellement low, les gars, il m'a sauté une fois dessus, il m'a mis... Tu vois, ça, potentiellement, ça peut puer, hein. Ça peut puer fort, les gars, ça, hein. Ça peut puer fort, ça, les gars. Oh non, non, j'ai bouffé ma win streak, mais non, les gars. Mais comment je vous dis que ce brawler, il est cassé. Il casse le jeu, purée, on perd trop de trophées, mais non. Il m'a sauté dessus, il m'a mis à 3000. Pouf, ah, je m'en veux trop, je m'en veux trop, je m'en veux trop. Je vous dis il y a 2 secondes que j'allais faire le mieux pour pas la perdre. Et derrière, le karma qui tombe, c'est pas grave. Tranquille, on reste... Ah, le problème, c'est que là, tu perds pas... J'ai perdu 0 trophée, mais en fin de compte, j'ai perdu le bonus, quoi. Hein. Donc, j'ai perdu... Pas beaucoup non plus, on va pas exagérer, mais purée. Ah, ça saoule. Ça saoule vraiment beaucoup de faire ça, les gars. Je m'en veux, mais en même temps, le brawler est tellement dingue. Je le sais, hein, les gars. Je le sais que Miko, franchement, si je... Plus vite je monte en trophée, et vraiment mieux c'est parce que je vais moins en croiser, je vous jure que ça va être plus simple. C'est assez illogique hein, de dire qu'à 400 trophées sera plus simple qu'à 200, mais je peux vous assurer que ça va se passer comme ça. Alors attention à Charlie aussi. Charlie c'est moins fort qu'avant, mais Charlie ça peut te cocon, ça peut te foutre dans la sauce. Hein. Sincèrement, ce brawler là, il est loin d'être mort. J'entends beaucoup de critiques dessus. Parce qu'effectivement, il est largement moins fort, on est bien d'accord hein, les gars. Mais c'est bien relou quand même, tu vois, tu sautes dessus là, elle te met un cocon, bah t'es dans la sauce. T'es dans la sauce, et potentiellement, voilà, ça va, là, elle s'est pas trop jouée, donc tant mieux. On est top 4, les gars, go se renchaîner les win streak max. Hein. Dommage, on aura foiré à 22, les gars. C'est honnête, hein, c'est tout à fait honnête, 22, c'est un très beau score. L'autre, il nous fait mumuse au milieu de la map. Alors, attention, moi, je suis un peu impatient, là, et le problème, c'est quoi? C'est que je risque de me faire soulever comme une victime. On a 11 caisses, ce serait quand même assez dommage. De perdre la game, je pense que le Chuck, ça va être relou, parce que dès que je vais lui sauter dessus, il va également... Il va activer le petit train, tu vois. Non? Ouais, non, non, il est en tilt. Il est en bug, le frérot. Ok. Alors lui, le problème, c'est qu'on va mettre 400 ans à le tuer, lui, hein. Et ouais, à chaque fois, il va activer son petit train. Mais comment je le tue, moi, ce truc-là, les gars? Comment ça se tue? Est-ce qu'on va réussir à top 1 ou pas? Oh là 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 là, on l'a eu au décollage, on a eu chaud les gars, on renoue avec le succès, que c'est moche de pas avoir de win streak les gars, on prend plus 10, on est plus 15, mais quel scandale. Ouh. Allez, on reste focus quand même, pas de... Oh là là, 3, 4, 5, 6 Miko les gars, non, 6 Miko, 2 Cordelus, il y a la compo duo du moment pour monter haut, c'est Cordelus Miko, et là tu te dis que j'ai 8 brawlers qui sont bien bien relous dans ma game. Là, ça, c'est clairement une game éclatée. Hein. C'est clairement une game éclatée, les gars. C'est clairement une game éclatée. Il y a un Cordelus au mid. Si je peux lui piquer 2 caisses, on va dire que je me rends la game un peu plus simple. Qu'est-ce qu'on va faire là? Alors là, tant qu'on n'a pas le saut, on est vraiment peu de choses. Et même quand on va avoir le saut, les frérots, je peux vous assurer que... Ouais, il va falloir tempo. Là, c'est des games où on perd du temps. J'aime pas ces games-là, les gars, sincèrement. Mais il faut absolument qu'en top 4, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, malheureusement, sur ces games-là où le matchmaking, il nous en veut, parce que là, clairement, il nous met les pires adversaires. Il faut pas vraiment cramer le saut pour courir après un Miko qui va derrière pouvoir recharger. Bien évidemment, le mec a 3 coups, hein, c'est son attaque principale. Donc le mec a 3 coups. Tu vois, là, je pourrais lui sauter dessus. Hein. Oh, t'as vu, c'est un truc de fou, le mec il m'a sauté 2 fois dessus, il m'a mis à pas beaucoup de points de santé. Alors je veux au moins passer en top 4, après je fais le beau jeu après. Après c'est une game limite, on perd top 4, c'est pas grave, au moins la win streak elle est validée. Et on passe à une future hot game, parce que là celle-là elle m'a grave saoulé. Cordelus, alors j'ai envie de lui sauter dessus, mais je sais pas s'il a pas le gadget qui... Ok,
les gadgets qui m'empêchent de tirer. Ouais, lui, 0 caisse, normalement, on est quand même pas trop mal. Ouais, non. Ok, ça va. Il m'a chatouillé parce que j'avais mis le bouclier, les gars, mais attention. Allez, on est reparti, on a 186 trophées. En combien de temps, les gars? En l'espace de 22 minutes, 186 trophées. Aïe, on est quand même... c'est quand même pas évident de taper le 500, les gars. C'est quand même pas évident. Ok, là, c'est une game... Il y a que 2 micos, les gars. Ça, c'est cool. Il y a 2 micos et un Cordelius. C'est vraiment les brawlers qu'il faut respecter le plus, les gars. Je vous le dis, on se répète un peu, mais au moins, comme ça, le message est passé. Alors là, est-ce que vous... Non, attends. Il est P11, le frère. On va le laisser tranquille. Il m'a regardé d'un air, mais il m'a... Ah ouais, il s'est dit quoi? Tu veux vraiment que je te tue? J'ai analysé le move que j'allais faire. Je me suis dit, non, tranquille, les gars. On temporise 2-3 secondes, là. De toute façon, tant qu'on n'a pas le gadget, tant qu'on n'a pas l'ulti, vous savez très bien, malheureusement, les gars, je suis carrément moins fort. Il y a quand même un Hank, les gars. Putain, Hank, par contre, c'est vraiment la victime idéale. Hein. Hank, Ambre, c'est vraiment des brawlers qu'on... Putain, il a 6 caisses, lui. Je temporise là. Si jamais il vient à taper là, à sauter une fois ou deux sur la caisse... Oh, il a one shot. Waouh. Ouais, c'est pas tellement lui qu'il faut fight, les gars. Alors, je pense que ça va même être impossible de top 1. On a qu'une caisse, le mec, il en a beaucoup. Il faut vraiment qu'on tabasse les adversaires qui sont plus à notre portée. Il y a quoi, là? Putain, mais les Miko, à chaque fois, tu les as en début de game, tu les as à la fin. Ça, c'est, il peut y en avoir que deux dans la game, ça finira au... Ils finiront sur le podium. Ouais, ça, par contre, c'est cadeau. C'est un cadeau du jeu. On ramasse, on se fait plaisir. Ok, on a deux caisses, on est top 5, on a un ulti encore. Alors, il y a forcément d'autres adversaires, les gars. Je sais pas où ils sont, mais il y a forcément autre chose. Il y avait que deux Miko, je crois. On bascule en top 4, donc la win streak, elle est validée. Top 3, il y a un Chester, apparemment. À défaut de faire top 1, je pense que là, se ramasse ça, c'est pas mal. Et comme je vous disais, ça va s'annoncer complicado, là, je pense, on peut pas. On peut pas, bah, faut accepter qu'on puisse pas, les gars, ça me frustre un petit peu. Mais on ne peut rien faire, 196 trophées, on a quasiment fait 200 en l'espace de 24 minutes, en vrai, ça va. On est largement dans les temps de passage, non, on n'est pas tout à fait dans les temps de passage du 500, mais on va dire que pour faire 450, on est dans les temps de passage, ce qui serait déjà un très très beau score, seulement 3 micos. Allez, les gars, on est en train de sortir de ce que je vais appeler la zone de la mort, les gars. La zone de la mort, le 0 à 300, c'est clairement la zone dans laquelle il faut, enfin, de laquelle il faut sortir le plus vite possible, parce que clairement, c'est la zone amico. Oula, Colette. Tu vois le start pourri, là, tu te retrouves au mid de la map. Clairement, c'est grave inconfortable. Alors, par contre, ne crois pas que je suis une victime non plus, hein. Je veux bien rigoler avec toi, mais... Voilà. Je vais pas me faire victimiser longtemps. Ok, on a 9 caisses, on est carrément bien, il y a un gré. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait? Non mais lui, non mais va jouer avec les enfants qui ont 2 caisses, frérot, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu veux fight un Edgar 9 caisses? Alors là, le seul truc qui est chiant, c'est que je vais le sauter dessus, va se TP, bien évidemment. Du coup, je vais le louper, du coup, bah, putain, il a carrément le super activé, le frérot. Du coup, pour éviter tout ça... Je vais même pas lui sauter dessus, lui... Ouais, alors par contre, si, moi, je suis chronométré, là, les gars. Là, si vous voulez, à un moment donné, moi, je suis chronométré, Gaspiton super, voilà, au moins, c'est fait. J'ai pas le choix, je savais très bien qu'il allait se TP, mais au moins, comme ça, le Miko, il va le tuer. Et moi, derrière, je vais essayer de ramasser le top 1. Alors, attends, tac. L'autre, il va retomber sur quoi? Il va lui retomber dessus, je pense. Ah, les frères, ok, on a réussi à ramasser la game, elle est un peu plus longue que prévu, mais pour l'instant, quand même, ça se passe bien. On est en train, petit à petit, de retrouver notre fameuse win streak qui nous tient tant à cœur, les gars. La série de victoires qui carie tellement quand tu fais des grosses sessions. En ce moment, les gars, tu pars en brawl ball une demi-heure, tu fais du play again, tu quittes, t'as fait 150 trophées, quoi. On est vraiment dans la folie, ceux qui ont des brawlers bas, qui ont pas trop le temps de les monter. Je sais que c'était quand même le cas de ceux qui bossent beaucoup et tout, ceux qui font des études. Là, les frérots, vous avez tellement pas d'excuses. Là, vraiment, là, la moindre session, elle est vraiment, vraiment rentable. Attention quand même. Et les débuts de game, c'est vraiment sur ça qu'il faut que je fasse gaffe, les frères. Parce que là, je vous dis, on peut se faire piéger de fou. Alors, il y avait des caisses à droite, ça m'embête un petit peu. Ok, il est mort. Le nombre de Miko qu'on tue quand ils mettent leur super, les gars... En fait, ils sont en fight et ils veulent mettre le super pour fuir la zone parce qu'ils voient qu'ils sont pas en... qui sont un peu en difficulté, et c'est quand même là-dessus souvent qu'on fait les différences, et c'est grave, grave cool. On est top 6, il y a un Cordelius en haut.
Les frères. En tempo un petit peu. Les gars, en tempo. On veut le top 4. On veut plus foirer cette série de victoires qu'on a foiré bêtement par un excès de confiance un peu relou, mais. Mais c'est tout à fait mon histoire, les gars. Alors lui, il va mettre son. Allez, mets-en super. Mets-le. Mettons super, mais il veut pas le mettre. Ok, il garde. Ah, il joue pas si mal. La Maisiel joue pas si mal depuis tout à l'heure. Je trouve que ça temporise plutôt bien. Alors faut vraiment qu'elle crame le super, parce que si je saute dessus là, clairement, les gars. Ça va servir à rien parce que derrière elle va me repousser avec le super. Donc attends, faut que je chope un super moi. Il y a un petit RT là-haut. Ok, alors ça se ramasse tellement facile. Ouais, attends. Pas s'enflammer quand même. Je ramasse le RT ou pas les frères? Oh eh, je me fais piquer les caisses. Oh, je suis le seul à jouer les gars. Entretuez-vous, purée. On est chronométré là. Ok, je vais pas tarder, je prends Kick Cordelus, il va m'amener dans sa zone. Oh, j'ai des camions qui font des marches arrière, les frères, j'ai les radars de recul, je sais pas si vous les entendez. Ah, les gars. Je me suis tordu la cheville tellement j'ai failli tomber du bureau, putain. Les gars, on perd un temps fou, ça me saoule. La Maisie, tu vas jamais gagner, Maisie, tu vas jamais gagner. T'as une seule, t'as deux caisses, tu vas jamais gagner, c'est juste qu'on perd du temps. Il faut que je charge un super pour la respecter un petit peu quand même, parce que là, pour le coup, si j'avance de façon un peu bête face à elle comme ça, je pense vraiment que c'est le meilleur moyen de lui charger un super et de lui donner de la force. Il faut qu'on l'esquive. Alors, elle est vraiment éclatée, hein, les gars. Elle est vraiment éclatée, perdre du temps pour ça, c'est vraiment dommage. Là, c'est clairement du temps perdu, les gars. Là, on est à peu près à la moitié de la vidéo, un peu moins. On est bientôt à la moitié, on va être à 200. Ouais, on est pas mal. On est pas mal. Il faut juste espérer qu'il y ait moins de Miko dans la zone des 400, comme je voulais pronostiquer, et qu'on puisse du coup. Waouh, on en a 4 là, et qu'on puisse du coup enchaîner les games un tout petit peu plus vite, même si là, déjà le rythme est incroyable. Hein. Le rythme est incroyable, les gars, mais il faut toujours plus. Il faut toujours plus, il faut bien évidemment combattre tous les records. Il y a forcément un mec à spawn au-dessus de moi, là, c'est bizarre qu'on le voit pas. Il y a un mec en dessous, là. Ok, 4 caisses. Il va farm le mid. Ah, attends, il y a un mec en haut, là, c'est bizarre. Pourquoi la caisse n'a pas été prise? Est-ce qu'on peut pas ramasser un mec, là, en haut, qui a spawn, qui est KFK? Ah, tu vois, les gars, je connais le jeu, mais par cœur. C'est du délire. Je peux te dire quand est-ce qu'un mec est AFK, quoi. Je sais que là, laisser une caisse à cet endroit-là, c'est suspect de fou. C'est suspect de fou. Ok, on est top 7. Une Colette qui a tué un Miko, ça c'est grave une bonne nouvelle. Il y a le petit Léon par là. Est-ce que c'est pas le moment d'aller le ramasser? Très mauvaise ulti de ma part. Ok. Gadget ulti loupé. C'est pas grave du tout. On a Miko qui a lancé son attaque sur le Léon. On va temporiser par là. Ouais, les games sont moins rapides, les gars. J'en suis conscient aussi. J'ai peur qu'on perde du temps. J'ai peur qu'on perde du temps. Il y a un Léon ulti, les gars, attention, faut qu'on le garde en vue parce que ça, je peux vous assurer que Léon ulti, 4 caisses, là, il me déchire. Il me déchire sans aucun problème. Alors, c'est pas forcément lui qu'il faut fight. Rah, relou. Non. Oh là, les gars, on a eu chaud de fou, là. On a eu chaud, on est face à une Willow, ok. Faut que je charge super. Hein. Filez-moi des caisses, les gars. Filez-moi des caisses, j'en ai besoin. Alors la Willow, c'est pas ouf, mais est-ce qu'elle a le fait de pouvoir se mettre dans le sol ou pas? Telle est la question à laquelle on va répondre dans deux secondes. Voilà, et la réponse est non. Donc en vrai, elle était vraiment, vraiment pas dangereuse du tout. On continue comme ça, 238 trophées, on est plutôt pas mal. Alors là, on a la moitié de la vidéo à 238, donc en vrai, de vrai, on peut faire un 470. 476, même si je sais compter, les gars, donc c'est incroyable. Ce sera pas les 500, mais on en sera quand même pas loin. Donc ça ferait quand même excessivement plaisir. Le petit Cordelus des familles qui veut me faire du sale. Tu sais quoi, frérot, vas-y, prends la caisse. On te la laisse. Je ne prends plus de risques. C'est le Gaël de Toulon. C'est le G2T nouveau, les gars. C'est le G2T. Y a un petit Colt par là. Putain, mais j'aime pas ces starts à zéro caisse en camp, là. J'aime pas du tout ça. Est-ce que je peux prendre celle-là? Y a un Colt en bas, les gars. Attention que je me fasse pas laser. Ouais, tu vois. Ouais, ça pue. Clairement, cette game, elle pue. Alors, attends, le Colt, je peux le défoncer, les copains. On va essayer peut-être de fight le Colt. Je pense vraiment qu'en mettant un gadget, le Colt, il est pas hyper dangereux. Faut juste que je sois pas trop dans sa... Dans sa lignée de tir.
Il est en bas à gauche. Il faut quand même que je joue. Hein. Faut quand même... Moi, le problème, c'est Cordelus, si j'étais sûr qu'il a pas le gadget pour m'empêcher de tirer pendant 2 secondes, je lui sauterais dessus. Hein. Mais vu que je sais pas, bah, c'est complicado, quoi. C'est complicado. Alors, attends, lui, il me manque de respi depuis tout à l'heure. Oh, les frérots, on est dans la sauce. On est dans la sauce. On est dans la sauce, pourquoi? Parce que lui, il va charger son ulti, on est top 6. Là, c'est une game pourrie. C'est une game pourrie, je pense que là, le mieux que j'ai à faire, c'est vraiment d'essayer de me casser à droite. Ouais, ouais, ouais. Top 5. Les gars, je perdrai pas la win streak sur ça, déjà, c'est cool. Je vais tenter de lui sauter dessus, les frères. Et on verra bien s'il a le gadget pour m'empêcher de tirer 2 secondes ou pas. On verra bien, on n'a pas le choix, parce que de toute façon, le mec est beaucoup trop chaud. Et beaucoup trop pénible, plutôt, plus que chaud. Ok... je pense au final ça va faire top 1. Bon, on n'a pas perdu plus de temps que ça non plus, n'exagérons rien. Ok, elle peut absolument rien faire. Ça, c'est vraiment les brawlers gratuits de temps en temps, t'en as. Ça, c'est comme Ambre et tout. C'est vraiment des brawlers que tu ramasses avec le plus grand plaisir. On est remonté à une win streak de 7, les gars. Ça fait extrêmement plaisir. Je rappelle que ça me ferait vraiment très plaisir que vous preniez 2 petites secondes pour cliquer sur le petit pouce bleu sous la vidéo, la famille, n'hésitez vraiment pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vraiment profitez-en, c'est gratos, ça fait plaisir. La meilleure période de ce défi de Noël arrive pendant les vacances, hein, les gars, donc on y est bientôt. Hein. Demain soir, ça va commencer à envoyer du lourd. On va racheter plein de brawlers, on va en débloquer d'autres, on va débloquer d'autres légendaires, on va acheter plein d'offres. Hein. Il y a vraiment des dingueries qui arrivent, les gars. On va tout simplement mais exploser les records... Hein. On avait fait précédemment dans d'autres aventures. Attends, 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 attends. En vrai, j'ai un objectif, mais il est déraisonnable à un niveau. Je peux même pas vous le raconter. Je pense pas qu'on puisse y arriver. Mais on a fait 38 000 sur le défi de l'été. Au fond de moi, un vrai objectif de fou, ce serait de faire mieux en un mois. Ça, ce serait hallucinant. Mais bon, je sais que je m'enflamme un peu. Voilà, là, je fais du caca, là. Là, je fais du caca, les gars. N'ayons pas peur des mots, là. Je saute dessus, je saute sur personne. Je tue personne. Je gaspille un ulti, un gadget pour rien du tout. Putain, Bonnie, Dieu sait que c'est vulnérable, hein, quand c'est comme ça, là. C'est vulnérable. Attends, je suis prêt à cliquer sur le gadget si jamais je rentre dans un bush qui a un truc. On est pas mal, il y a un petit griffe, là. On est à 6 caisses, les gars, mais sans super, je sers à rien. Attends, griffe, il veut pas descendre dans le buisson. Griffe, on va aller le ramasser, je pense. Je pense qu'on va les ramasser griffes dès qu'il arrive là. Ah, attends, ils sont où les mecs là? On est censé être 6, 5. Je pense même pas qu'il y ait besoin du gadget là, je pense pas. Oula, tonton Gaël qui fait un excès de zèle, là j'aurais du gadget. J'aurais du gadget, ça m'aurait permis de pousser le fight jusqu'au bout. Alors que j'ai dû le stopper un peu bêtement là, c'est mal joué de ma part. C'est vrai que Pam dans sa tourelle, si jamais elle a le gadget. Ok. Ah, ça joue pas mal, hein, ça joue pas mal. Ça joue pas mal du tout. Oh non, il me ramasse avant. Il me ramasse avant la PAM, elle a 400 PV. Mais non, mes frérots, il tourne et tout. Non, je veux pas vous montrer ce jeu moche. Oh là 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 là, les mecs, ils campent. Ça, c'est vraiment Miko, quoi. Ça campe, ça attend qu'il y ait un fight et ça ramasse les miettes. Bon, j'ai déjà fait avec d'autres brawlers, mais c'est vrai que dans une vidéo où on est quand même chronométré, où on veut faire le plus gros score de trophée en 1 heure... C'est un peu pénible, surtout qu'on avait 6 caisses, on était quand même pas mal, donc on n'a pas trop d'excuses. Là, il y a potentiellement un mec qui a spawn en bas à gauche, hein, c'est bizarre. J'ai vraiment le doigt à chaque fois prêt à cliquer sur le gadget, les gars, pour éventuellement... temporiser. Attends, 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 putain, je me montrais tout, moi. Je me montrais tout. Ok. Voilà, le Byron en bas à droite, les gars, il est tellement cadeau. Attends, lui, on va aller aussi le choper. Ah, il a le gadget, il a pas le bouclier, le petit coquin. GG, GG, GG. Bien joué à lui. Ouais, ça commence à se durcir un petit peu, là, les gars. Ça commence à se durcir un peu, alors que j'avais pronostiqué que ce serait plus simple. Et au final, là, on voit quand même pas mal de mecs qui esquivent les coups. Alors, le Byron, ça se ramasse très facilement. En plus, il a 0 caisse. Est-ce que vous voulez pas qu'on aille carrément le chercher, le frérot? Ok, GG à lui. Il m'a touché une fois. On va temporiser un petit peu. Ouais, par contre, si tu crois vraiment que tu vas me... Il a vraiment de la chance qu'on lui mette pas une grosse presse, parce que là, on pourrait vraiment lui mettre... Le problème, c'est qu'il est loin, il avance pas, et du coup, je perds du temps. Attends, il y a un Grom, là, pour de vrai, il y a un Grom 0 caisse qui joue à cache-cache, ok. On a 5 caisses.
Alors lui, il va le ralentir. Je pense qu'il a plus de gadgets, le quarterback, donc c'est plutôt une bonne info pour nous. Il en a cramé un sur moi et un sur le mec en haut, donc normalement... Normalement, il doit plus en avoir. Enfin, oui, il en a peut-être encore un ou deux, mais vu qu'il a quand même l'air bien offensif, je suis... Putain, mais il me touche à chaque fois, les gars. Ouais, c'est un peu la sauce, hein, on va pas se mentir. C'est un peu la sauce, les gars. Ça, on joue, on est un peu en survie, là. On est un peu en survie, mais en même temps, il faut absolument que je gratte des places, même si on perd du temps, de toute façon, bah, quitte à ce que la game ait duré 1000 ans. On l'avait pronostiqué, les gars, c'est pas une surprise. En tout cas, le quarterback, il joue super bien. Ah, c'est fou, hein, c'est fou, les gars. Le quarterback, il va ramasser le top 1. C'est un truc de fou, le mec. Oh, il est trop fort. Ok, 274. Aïe, 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 ça ralentit, les gars. Au final, il avait peut-être raison, le frérot, qui a donné 360 trophées, hein. Parce que là, ça commence à être beaucoup plus compliqué avec les micros, effectivement. Grosse déception, on a fait un start de fou et au final, ça ralentit. Vraiment, on a encore deux micros, là, purée. Bon, c'est moins que tout à l'heure, hein, c'est déjà cool, hein. Mais tu vois, là, il va me voler la caisse et je peux rien faire, là. Parce que là, je prends un fight d'entrée. J'ai envie, hein, j'ai envie de le prendre, le fight, mais c'est tellement risqué, les frères. C'est tellement risqué. C'est fou, ça frustre, hein. Ça fait serrer, hein. Ça fait serrer. Et là, le plus, c'est qu'il a, il a une caisse et j'en ai plus. En plus, là, il a un avantage sur moi. Autant sur le premier fight, à la limite, on était à 0 caisse chacun. Donc là, je fais quoi? Ben, je campe, hein, je campe tout seul. Il y a une Maisie cachée qui a failli me tuer. Heureusement qu'il n'y a pas le Miko qui vient me push à droite. Il m'a mis deux coups. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où on va quand même le dépop, la petite Maisie là? Oh, ok, elle a chargé le super un peu tard, heureusement pour moi. On arrive à faire un kill quand même. Ah, ça me rend dingue parce que j'ai l'impression que le frérot qui a dit 360 trophées en une heure, il avait raison. Et ça m'énerve parce que j'étais vraiment chaud pour vous faire bien mieux. Mais au final, on se rend compte quand même que je peux pas non plus courir après tout le monde. Là, je veux bien, mais j'ai tellement peur de balancer la win streak à la poubelle à chaque fois que ça me fait un peu hésiter. Waouh, GG, la Maisie. Putain, ouais, je me disais, je contrôle plus mon brawler là. Le petit logo Wi-Fi qui va bien. Alors là, si on fait un top 5, c'est grave la lose, hein. Ah lui, le Miko, il m'aura pourri la game du début jusqu'à la fin. Lui, il m'aura vraiment pourri la game du début jusqu'à la fin. On fait un plus 3, heureusement, mais ouais, ça se durcit. On n'arrivera jamais... Je pense qu'on sera jamais sorti en vérité dans cette vidéo. Enfin, on sera jamais sorti réellement des 400 trophées. Je pense pas qu'on y arrive. Et du coup, la zone sympa... Ouais, t'as encore 3 Miko. Non. Faut sortir des 400 trophées pour en croiser moins. Et même, je pense que c'est au-dessus de 500 qu'on en croise beaucoup moins. Énorme déception, les gars, même si c'est loin d'être fini. Mais je le sens mal. Clairement, je le sens mal. Il y a eu un sacré ralentissement dans cette vidéo. Les Miko, ils nous piquent les caisses. Et en plus, regarde-moi ça. Mais regarde-moi ça, le mec. Il est tellement serein, quoi. Il est serein, mais on dirait que je joue, je sais pas. Je joue un brawler, mais qui est claqué, quoi. Alors que Edgar, c'est trop fort. Mais lui, il est tellement. Oh, j'ai deux caisses, il en a zéro. Ah, mais frère, c'est incroyable. Il me court après, quoi. Je suis sa victime. Je suis sa victime. Et en plus, tu peux même pas le tuer. J'ai envie de le tuer, là, mais tu peux même pas le tuer, le truc, je vais lui sauter dessus, il va partir. Là, j'ai envie de prendre le Pearl, mais le problème, c'est quoi? C'est que... Le problème, c'est quoi? C'est que le Pearl, il est un peu trop central pour moi, le Pearl, là. Ok, 3 caisses de plus, ça, c'est stylé. Ouh là là là, les gars, j'ai gaspillé un super tellement je m'attendais pas à ce qu'il soit FK, désolé. Quand je vois un Miko, je suis en panique. Je sais pas, vous, la sensation que ça vous fait. Je vois Miko, j'ai peur. Les gars, j'ai peur. J'ai vraiment peur de mourir, quoi. Alors là, on a un Pearl qui est max avec 7 caisses. Autant vous dire que là, le fight, il est perdu d'avance. Il doit sûrement rester un brawler. C'est un Miko qui reste, les frères, là. Oh, les gars. Ok, on l'a eu celui-là pour une fois qu'on réussit à en tuer un. C'est cool. On a un petit Byron. Ok, vas-y, gaspille-moi ton... Ouais, je pense qu'il a compris. Je pense qu'il a compris, ouais. Tu peux aller mourir, on gagne du temps. Ouais. C'est exactement le move qu'on attendait de toi, frérot. Bien joué. Ok, bon, là, on renoue un peu avec le succès, même si on est quand même en... On est quand même en série de 10 victoires, les gars. Je fais que de râler parce que je veux faire un gros record. Mais bien sûr que quand tu cliques sur un brawler, qu'on va le quitter à peu près 350-400 trophées, bien sûr que le... c'est grave stylé, hein, je suis trop content. Mais moi, je suis toujours à la recherche de faire plus, les gars, vous le savez bien. Vous le savez bien, je suis un éternel insatisfait, les gars. Faut bien que je râle, quand même. Si tonton Gaël, il râle pas, les gars, on va s'ennuyer dans les vidéos. En tout cas, j'espère qu'on fera un record de pouces bleus. N'hésitez pas à me dire si le fait de diffuser la vidéo en avant-première et de dialoguer avec vous, ça vous fait kiffer ou pas. C'est vrai qu'on l'a plus fait depuis un sacré moment.
Voilà, plus fait depuis un sacré moment, ça, mais je... Ouais, j'aime bien utiliser un petit peu les possibilités que donne, donne YouTube. J'allais dire, donne Brawl Stars, j'allais dire, non, pas du tout. C'est YouTube pour le coup, là. Oula, oulala. Oulala, Tonton Gaël. Tonton Gaël qui est dans la sauce, là. Tonton Gaël qui est dans la sauce. Alors, lui, il va mourir. Il y a une Maisie que je vais aller soulever dans deux secondes, parce que là, attention, elle a vraiment cru que j'étais sa victime, ça va pas le faire. Il y a peut-être un Rico à ramasse avant. Ok. Ouh, le buzz. Ouh, le buzz ulti. Vous l'avez vu, le buzz ulti, les gars, qui m'a pas... Qui m'a pas fusillé, là. On a eu de la chance. Hein. Clairement, on a eu de la chance, parce que croyez-moi que... Croyez-moi que buzz ulti, c'est plutôt fort. Ouais. Rendors-toi, mon frérot. Rendors-toi. Alors, j'ai un peu peur de l'ulti. Ok, on va soulever. On a 9 caisses. Là, ça va sentir le top 1, je pense, hein. Je pense que là, il reste deux gadgets, il y a un Pearl. Attends, j'ai pas vu le Miko, il est où, là? Ok. Ok, ok, il a gaspillé le super, on a gagné. On a gagné, les gars, il le sait. Désolé, frérot. Désolé, mon frérot, mais là, tu peux absolument rien faire contre moi, là. T'as juste tes yeux pour pleurer. Pour le coup, ça, c'est vraiment un brawler que je counter facilement. Donc, on est quand même content, les gars. Voilà, 307 trophées, on aura fait le 0 à 300, c'est déjà ça. Moi, bien sûr que je voulais le 0 à 500. Alors après, je râle, mais il reste encore 17 minutes, les gars. Là, le but, ce serait quoi en 17 minutes? C'est d'aller chercher encore 100 trophées. Il y a encore 3 Miko, purée, mais... Vous savez ce qu'il faudrait faire, les gars? Écoutez ce qu'il faudrait faire. Je vais lancer une théorie sur les futures mises à jour de Brawl Stars. Que je... j'aimerais qu'il se passe. Mais pour de vrai? Pour de vrai, le truc, je tue pas, là? La théorie, c'est que j'aimerais qu'on lance et qu'on puisse ban un brawler. Vous en pensez quoi? Style là, dans la période où il n'y a que des Miko, tu bannes Miko. Style personne ne peut... Tu peux pas tomber avec des Miko dans la game. Est-ce que ce serait pas génial, ça? Alors, vous allez me dire, ouais, mais... faudrait pas le jouer, bien sûr. Si tu joues Miko, que tu veux tomber sur tous les brawlers, sauf des Miko, ce serait un peu de la triche, peut-être. Mais tu vois, vous voyez l'idée un petit peu? Style les débuts de game, comme ça, où il y a... Il y a 14 Miko dans la game. Est-ce que ce serait pas... Est-ce qu'on tient pas une idée, les gars? Est-ce que je tiens pas une idée? Est-ce que je vais pas... Est-ce que j'ai pas une idée révolutionnaire? Ah oui, t'as vraiment cru, frérot, que t'allais me sauter dessus, quoi. Toi, t'as vraiment cru, j'avais débuté le jeu avant-hier. Ah ouais, désolé, la Natou, là. T'es pas très... pas très malin, mon copain, là. Je sais pas, j'espère que t'es pas... T'es pas un frérot français qui va me dire « Ouais, tonton, putain, j'ai vu ta vidéo, t'es méchant, j'espère qu'il regarde pas la chaîne, quoi. » Parce que sinon, il va me dire « C'est pas très gentil. » Les gars, on est où, là? On a 8 caisses. Bizarre qu'on soit 7 encore dans la game et que 6... Oh, il y a un Chester à droite, ça c'est vraiment cadeau. Ok, il y a un petit Cordelus à droite, il y a un Pearl, je pense que là, là, on va attendre de ramasser ce fight-là. Ouais, je pense que là, c'est bien de, d'aller... Oh non, non, non. Oh, je me suis fait ramasser, ok. Je me suis fait ramasser, mais je pense qu'en top 2. Je pense qu'en top 2, ok. En vrai, je préfère top 2, rapidement comme ça, que faire top 1 des fois quand la game, elle dure 2 minutes de plus. Dans ma quête des trophées... Je vous assure que c'est plus rentable. Parce qu'il y a 2 trophées d'écart, mais sachant que j'en prends 8 plus 5 de la win streak, donc on en prend 13. Franchement, les gars, c'est super, super rentable. On prend... là, il y a quoi? Là, il y a une Maisie. Mais les gars, on croise beaucoup, beaucoup de Maisie, en vrai. C'est quoi le délire sur Maisie? Il y a une offre ou quoi? Il y a quoi en bas, là? Là, il y a une Colette. Alors là, je vais rester planqué. Je pense que là, il va y avoir un fight. Je peux rien faire pour eux, malheureusement. Comme c'est bizarre, c'est Miko qui gagne le fight. C'est très étrange. C'est très très étrange. Alors là, j'aime pas ça, mais on a 0 caisse sur le start. On est vraiment dans la sauce. Les copains, si on fait pas 1000 pouces bleus sous la vidéo, je vais être triste. Oh, j'ai auto-aim, j'ai auto-aim, j'ai auto-aim. C'est la lose, c'est la lose, c'est la lose. C'est une lose. C'est une lose où je suis le boss. C'est une lose où je suis le boss. Je pense que c'est une lose. Oh non, j'ai bouffé la win streak. Les gars, mais non, mais non, mais non. Au passage, on n'aura pas perdu un seul trophée. Hein. On aura fait 2 top 7 à 0. C'est juste qu'on perd la win streak, en fait. Top 5, égalité. Top 6, top 7, top 8, top 9, top 10. Tu perds ta win streak. C'est bien dommage, les gars. Je pense que là, 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 ouais, notre session, elle a pris du plomb dans l'aile. Là. Là, on a morflé. Désolé. J'ai joué trop safe. J'ai eu un start éclaté. C'est comme ça. C'est peut-être ma faute ou pas, mais en même temps, malheureusement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Attends. Là, par contre, on a une grosse possibilité de ramasser des caisses, là. Là, ce qui est rigolo, c'est qu'en 5 secondes, t'assures quasiment le top 1 de la game, alors que t'as juste farmé des caisses au mid. Mais ça change tellement la donne, le fait d'avoir 0 caisses ou d'en avoir 7, là, c'est plus la même. Là, le Médor, je suis pas sûr qu'il fasse le malin. Alors, attends, juste, ça, je le ramasse. Ok, il y a un Spike en bas. Spike, attention, les gars. Un peu de respect pour Spike, parce que je peux vous jurer que Spike,
Si c'est un Spike P11, il te met 3 coups corps à corps, ça va moins faire les malins. Je pense que là, s'il peut tomber, et je peux aller ramasser les caisses, c'est cool. Alors, il y en a un des deux qui va mourir. Je pense que le Médor, vous avez vu, j'ai bugué quand j'ai parlé là. Mais le Médor, il a pensé à récupérer les caisses là. Il a tué le Spike, il s'est dit, attends, je vais récupérer mes caisses. Et du coup, il a vu que je sautais, il était entre deux, le frérot, le temps de réflexion qu'il a eu. Il s'est fait soulever. Alors, on a 10 caisses, on est carrément bien. Il y a un petit Otis qui va tomber normalement. Il y a un Miko en haut à droite. Il y a une Pam du coup. Ok, j'ai gaspillé le super, c'est pas trop grave, parce que de toute façon, il aurait pu me mettre son ulti, je préférais pas prendre de risque. Alors, il y a un Miko, normalement, on a l'avantage sur le Miko, là, pour le coup, s'il a 0 caisse. Vu que c'est un Miko qui reste caché, je suis pas sûr qu'il ait beaucoup de caisse, en vrai. La Pam, une seule caisse, c'est pareil, on est grave favori. Le truc, c'est que elle, je pense qu'elle sait qu'elle va pas top 1, mais je pense qu'elle veut surtout mourir après le Miko, en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Elle a pas envie... Alors, gaspille ton gadget. Voilà, elle a gaspillé le gadget, c'est nickel. On va lui faire cramer les gadgets pour être quand même sûr de top 1. Là, elle est en train de se dire, putain, j'ai l'avantage sur tonton. Pas du tout. Tu n'as pas du tout l'avantage, c'est juste que j'attends que... Il est où, Miko, là? Il est où, le Miko, les frères, là? Il est forcément là. Non? Il est forcément là. Moi, j'ai vraiment envie de les laisser se fight. Ok, tranquille, franchement elle est content, elle va mourir dans le poison. Tu sais quoi, vas-y, meurs dans le poison, y a pas de souci. On fait un top 1 les gars, on se relève directement, pas le temps pour la pleurniche. On est déjà à 330 trophées les gars, ça reste quand même pas mal, hein. Ça reste vraiment pas mal. Et ça, est-ce que c'est le record ou pas? Je pense que c'est le record. On a fait combien de records? 300? J'ai fait quoi, 320? 320 sur la série de l'été les gars, je me rappelle même plus. On avait fait plus de 300, peut-être même 350 je crois. On avait vraiment fait un gros score mais je me rappelle plus trop. Oula, il y a un Miko d'entrée. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a un Miko, on a deux Miko d'entrée. J'ai même pas vu combien il y en avait de Miko dans la game. Alors déjà, on sait qu'il y en a deux. Là, c'est une game pourrie. Parce que là, pareil, hein, start à une caisse que je me fais voler. Eux, ils sont en train de s'entretuer. On aura quand même perdu 0 trophée dans cette vidéo, c'est quand même sympa. En vrai, c'est quand même bien d'avoir perdu 0 trophée. Les deux top 7 qu'on fait, on perd pas de trophée. C'est quand même symbolique, ça. Il y a un Cordylus à droite, j'allais lui piquer la caisse. Non, toi, commence pas à me saouler. Attends, il y a un Byron, là, pour de vrai. Ça, c'est cadeau, ça. Ça, c'est un cadeau du jeu, ça. Ça, c'est grave un cadeau du jeu. Ok, on prend, top 5. Ouais, attention les gars. Je suis vraiment étonné qu'il ait pas essayé de me push, le frérot. C'est vraiment parce qu'il a 0 caisse, hein. Parce que sinon, croyez-moi, il m'aurait pas respecté longtemps. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a un Fang qui a beaucoup d'énergie en bas. Ah, c'est le moment ou jamais. C'est le moment ou jamais de tenter de le ramasse. Ah, j'en ai marre de ce jeu. Mais en même temps, l'autre, il a 11 caisse, putain. Plus 5, ok, on redémarre les win streak, les gars. On redémarre encore les winstreaks, il nous reste combien de temps de vidéo là? Là il nous reste 10 minutes pile poil les copains pour finir la session en beauté, il faut réussir à s'enchaîner, faudrait s'enchaîner 4-5 perfs positives. Je pense qu'il nous reste encore 5 games donc on va vraiment essayer d'enchaîner le plus possible, je pense que lui va mettre un gadget. Ouais, il commence à tourner, mais tu crois quoi? Mais qu'est-ce que tu veux en fait frérot? Quand il tourne comme ça les mecs ils veulent quoi? Que je leur laisse la caisse en fait? Quel est l'intérêt? Style, on fait une alliance, on se serre la main, on est les deux frères, on rase la map et après on partage les trophées. Non mais frérot, mais réveille-toi. Réveille-toi mon copain là, qu'est-ce que tu racontes? Attends. Là, il y a un fan qui veut team, ça y est, c'est dans la zone où ça veut team là? Ça y est quoi, on est dans la fameuse zone du jeu où ça veut team, ok. Ça me dégoûte un peu, mais bon, on va accepter, on va faire avec. Alors tu sais qu'il a envie de me super, hein. Il a envie de multi. Il a envie de multi, lui, hein, c'est sûr. Je le voyais me regarder bizarre. Il était en train de régler la visée, les gars. Je me suis dit, en vrai, j'ai le gadget. En vrai, j'ai le gadget, donc j'étais relativement serein. Même si j'ai un peu sursauté. J'ai failli lâcher la tablette, mais on était quand même là. Alors, on a 3 énergies. Putain, mais c'est quoi? C'est la map à Fang, les gars. Oh, c'est un truc de fou. Ils ont distribué des Maisy des Fang ou quoi? C'est quoi ce délire? Alors, attends, on est top 5, là. Il y a... Chester, ça m'a plutôt bien réussi. Oula, 7 caisses, je retire ce que j'ai dit, les gars. Ça m'a pas du tout réussi. Pourquoi tu tournes? Hugo Boss, c'est un Français? Mais frérot, tu crois qu'on va faire quoi, là? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, en fait? Il veut me... Il y a un Surge Ulti en bas. Mais je vais gratter le top 5, les gars, pour essayer d'augmenter la win streak.
J'ai très envie de le soulever, Hugo Boss, hein, je vais pas te mentir, frérot, mais le problème, c'est que c'est pas ma priorité. Parce que j'ai qu'une caisse, trois caisses. Ouais, il veut qu'on tente, il veut qu'on tente, il veut qu'on tente, vas-y, on va le tenter. On va le tenter, mais je peux pas, Hugo, je peux pas te soulever. Et ouais, il fait le malin. Et ouais, ouais, ça me saoule, ça me saoule, ça me saoule. Quand il va se voir dans la vidéo, cet escroc, il va être mort de rire. Bon, on lui fait la dédicace, c'est un petit frérot français, écoute les gars. On lui fait la dédicace, même s'il m'a tué. En même temps, j'avais pas tellement de choix. J'aurais pu l'esquiver et tout, mais le problème, c'est que je vous dis, je suis chronométré là. Sinon, les gars, en vrai de vrai, jamais je prenais le fight, je vous promets. Tu vois, la Steel Cordelius, il y a trop de chances qu'il me gadget et que je puisse pas. Et qu'il puisse me tuer. Faut pas prendre le fight comme ça. On va vraiment essayer de ne pas prendre de risques. On a 4 caisses, en vrai de vrai, il y a un Carlito, il y a un Buzz. En vrai, les compos sont plutôt cool. Les compos sont plutôt cool. Non mais arrêtez tous de tourner, putain, c'est que des Français, les gars, oh, arrêtez-vous. Vous allez me faire passer pour un teamer, les gars, arrêtez de... Ok. On a 7 énergies, 3... On est plus que 3, putain, cette game, elle est cool. Cette game, elle est cool. Alors, il y a un Mortis qui doit avoir des caisses, apparemment. Y a un Miko en haut à gauche qui fait cache-cache, t'es con, on le fightera en dernier. Ok Mortis, tu veux jouer, viens, viens. Ah purée, 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 purée. GG à lui. Alors Mortis et Miko, là, la game elle va durer 4 minutes, alors qu'en vrai de vrai, les gars, on aurait pu la plier en 4 secondes, c'est juste que là, bah, les mecs forcément, ils vont s'esquiver, ils vont faire cache-cache, et du coup, on va perdre un temps fou, alors que c'est chrono... Je suis à deux doigts d'aller mourir dans le poison. Je vous jure, je vais mourir dans le poison. C'est bon. Je préfère mourir, les gars, que perdre 2 minutes à essayer de gratter un top 2. C'est bon, ça me saoule. On perd trop de temps, là, c'est chronométré. Pour 2 trophées, on va perdre 1 minute, c'est pas du tout rentable. C'est triste, hein, c'est triste d'en arriver là, les gars. Mais je suis chronométré, c'est pour ça que je fais ça. Bien sûr que j'aurais essayé de choper le top 1, sinon. Mais tant pis, c'est trop long. Là. Les fights avec Miko, là, les mecs se cachent. Ça temporise tant qu'il n'y a pas... Tant que le poison il est pas sur toute la map, tu peux pas en finir, donc c'est bon, tant pis les gars. On accepte, on se rend. Vaut mieux enchaîner les games, enchaîner les win streaks, t'as le bonus de win streak qui rentre clairement en jeu là. Oula. Oula. Il y a un Cordelius par là qui veut charger son super, hors de question que je te fasse charger. Je tente. Il veut jouer. Tu joues avec la mauvaise personne, mon frérot. Tu joues avec la mauvaise personne. Je suis très dangereux sur Brawl Stars. Dans la vraie vie, je suis pas dangereux. Dans Brawl Stars, les gars, je suis un fou. Hein, je suis un dingue. Alors, on est pas mal. Il y a un petit surge à gauche. Ce qui me gêne, c'est qu'il a un ulti. Mais par contre, attends, je suis la victime de tout le monde ou quoi? Je suis le brawler que tout le monde veut fight, en fait. C'est quoi le délire? Qu'est-ce que c'est le délire? Non, t'as cru quoi? Mais t'as cru que je débutais le jeu ou quoi, frérot? T'as cru vraiment que t'allais me coincer? Moi, je veux top 4. Je veux top 4. C'est mon désiderata, c'est top 4. Et après, je fais le héros. Tant qu'on n'est pas en top 4, je ne prends plus de risques. Petit point sur le chrono, les gars. Il reste 5 minutes. Dès que t'es top 4, tu sais que t'encaisses les trophées! Oh là 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 là, les gars, t'encaisses les trophées de la win streak, donc t'as moins la pression. Déjà, t'es sur un plus 5, là. T'es sur un plus 5, déjà c'est value. Il reste un Surge et un Otis. Oh là 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 là, les gars. Heureusement qu'il m'a pas mis un gadget là avec son pot de peinture là, ce qui m'aurait défoncé. Il m'aurait défoncé le frérot, on va essayer de le push un petit peu. Et ouais, il a un super, le frérot, il a un super GG à lui. On fait un top 2, mais c'est pas grave, on prend le win streak, les gars, on va être sur un plus 8 et 4, 12, plus 12. Allez, on a encore le temps d'en lancer 2, je pense, 2 ou 3. Je pense qu'on peut encore le faire, les gars, ceux qui n'ont pas encore explosé les pouces bleus, vraiment, n'hésitez pas à m'exploser tout ça, je compte sur votre soutien. Et je le répète une fois encore, les gars, mais... Oh non, j'ai le bug. Oh non, les gars, j'ai le bug, j'ai relancé le jeu, mais ça me fait ce bug toutes les 20, 25 games, 30 games. J'ai un bug où je peux pas lancer le jeu, ça me laisse 100% et le jeu se relance plus. Et du coup, on n'aura même pas la primeur de voir le nombre de trophées. Oh non. Oh non, la session, elle finit en fiasco. La session, elle finit en fiasco, les gars. On a dû perdre, forcément. On a perdu, on n'a même pas pu jouer la dernière game. Oh, j'étais pas prêt, là. J'étais pas prêt, j'ai débloqué le mythique, les gars. Je me suis dit, non, tu vas filer un brawler comme ça, là, pour de vrai?
J'y croyais pas. Oh non, les gars, on a fait un plus 300. Bah, les gars, ça veut dire qu'il faut s'arrêter, hein, tant pis. Hein. Tant pis, les gars, c'est triste. En vrai, on a encore... En vrai de vrai, on avait encore le temps de faire deux games. Du coup, ça a donné quoi, la dernière game? Elle est pas encore finie. Ouais, je me suis fait éliminer d'entrée. Donc, on a perdu des trophées pour une game. J'ai pas pu la jouer. Ça me saoule, ça. Je sais pas si vous l'avez, ce bug. Apparemment, je suis le seul à l'avoir. Je sais pas comment ça se fait. Toutes les 20, 30 games, 10 games, ça dépend un petit peu. Je peux pas lancer le jeu et je suis obligé de relancer. Et donc du coup ça me fait une lose à chaque fois, sauf qu'une lose habituellement on s'en fout. Mais là ça me bouffe la win streak à chaque fois les gars. Donc là si tu veux, quand t'es, je sais plus à combien on était là. Mais potentiellement ça fait perdre beaucoup de trophées en fait, parce que tu... Enfin tu vois ce que je veux dire en fait, c'est bien relou. J'ai regardé Brawl Stars, il n'y a pas de mise à jour, donc je sais pas du tout d'où vient le bug. Je sais pas pourquoi il n'y a que moi qui l'ai ce truc là. Et ce qui est saoulant, c'est que je perds ma win streak à chaque fois, donc ça me fatigue un peu. Alors je la perds des fois parce que je joue mal aussi les gars. Je vais pas mettre la faute sur le jeu uniquement non plus. Hein. Mais voilà, vous avez compris quoi. Vous avez compris quoi, j'ai pas de chance. En tout cas, on aura quand même fait un beau score de trophées. Et je vais vous dire un truc, c'est que le frérot qui avait pronostiqué le fait de faire 360 trophées, bah c'est le boss. C'est le boss du jeu. Parce que pour le coup, on est à guerre plus, même si bon, on a eu un petit bug à la fin, on aurait peut-être pu gratter peut-être 2 games, allez, 15 trophées. Mais je pense pas qu'on aurait pu gratter beaucoup plus. Par contre, on est conscient que Bo, c'est le nouveau brawler qui casse la méta là. Ouais, ça va, ça va. Ça va, ça va. Je suis la victime du jeu en cas, c'est ça. Ah, tout, plus personne ne respecte là, les gars. Ils se disent, ah, c'est le mec qui bug là. Ça va, lui je le fume. Alors, par contre, Bo, dès que j'ai mon ulti, frérot, tu vas payer. Hein. Tu vas payer le tarif à hein, mon copain. Ouais, lui, il a cru, ça y est, quoi. Il a cru, il avait acheté le skin du Père Noël, ça y est, quoi. C'était Père Noël, il allait nous livrer les cadeaux et tout. Frérot, détends-toi. Détends-toi direct. Détends-toi directement, petit. Il y a deux caisses à ramasser par là. Il y a un Buster. Je pense que Buster. Non, mais attends, pour de vrai, je suis le mec qui saute dans la... dans le verglas. Ah, c'est bon, je suis le pire du... Ah, les gars, ça se... J'ai plus de mental, là. Et on a bouffé la win streak au passage, les gars. On a réellement bouffé la win streak. Ça rend fou. Hein. Ça rend fou, les gars. Même si j'ai un record à 65, par un pauvre bug, j'ai bouffé... On a fait top 10. Ouais, forcément, je peux pas jouer. Excuse-moi. Excuse-moi, frérot. En tout cas, 366 trophées. Bah, écoutez, je vais retrouver le mec du clan qui m'avait dit « Tu peux pas faire plus de 360. » Il a raison. Tout ça à cause de quoi? Bah à cause des micos les gars, voilà, bah c'est comme ça, on fait avec les moyens du bord. On a la win streak en bon point et les micos en point négatif, donc l'un dans l'autre, ça s'annule. J'espère que la vidéo vous aura plu, copains, je fais des gros bisous. C'est une déception, clairement les gars, n'ayons pas peur des mots. Je m'attendais à faire mieux, la seule bonne nouvelle c'est que... Bah dans le clan les gars, je suis en train de revenir sur les deux de devant, surtout sur Morgane, bon même si je pense qu'il va... Il va beaucoup jouer, il va monter très très haut. Mais dans l'idée, vous vous rendez bien compte que j'ai quand même mis 1000 trophées à Sun alors que je l'ai doublé hier soir vers 22h. C'est complètement déraisonnable. En tout cas les copains, je fais des gros bisous à tous. Merci du soutien, vous êtes les boss. Ciao ciao.